La contribution d'à peu près tout le monde aujourd'hui, ça a été un bon match pour vous? Oui, en effet, toutes les phases, bien joué offensivement, défensivement aussi. Les dispositions ont fait des bons retours, on a bloqué les bottes, donc on est très très content de la pression de l'équipe en général. Tous nos jeunes joueurs ont joué, donc c'est un bon match pour. On voulait rebondir fort et j'espère qu'on a fait ça aujourd'hui. Tu l'as mentionné, Glenn, vous avez eu l'occasion d'utiliser pas mal tout le monde aujourd'hui, beaucoup de recrues aussi. Comment tu évalues le travail de tes recrues aujourd'hui? Bien content, je pense que Maxime Boutin a fait un gros travail. Charles Lambert aussi a contribué à sa manière. On était très content des jeunes joueurs de la défensive aussi, montré beaucoup de caractère au quatrième quart. À la fin, on avait juste des réservistes et on a mis leur bout sur le terrain. Je suis bien content de ça. C'est une performance rassurante à quelques jours d'une grosse performance la semaine prochaine, un gros match contre Sherbrooke. Sans manquer de respect, il faut comprendre que l'adversaire n'était pas à point, mais on a vu des très très belles choses, mais je pense que ces matchs-là se gagnent en pratique. On a une bonne semaine de pratique. Si on peut avoir la même chose, la table est mise pour un championnat la semaine prochaine. Vous avez parlé en conférence de presse, Glenn, que vous étiez un peu plus conservateur sur certains jeux. Aujourd'hui, on a eu droit à quelques jeux truqués, notamment sur le premier jeu du match. Pouvez-vous nous parler un peu de ces jeux-là aujourd'hui? Bien, c'est juste qu'on travaille. Je pense qu'on est, on travaille sur différents jeux. Parce que c'est quand tu as 6 vidéos de l'autre équipe, il faut que tu brises ces tendances. Et c'est ce qu'on voulait faire depuis un bon bout de temps. Côté attitude, ça a été un match où les gars avaient l'air d'avoir du plaisir d'être dedans. Ça a été un bon match de ce côté-là aussi. Oui, je pense que les gars, encore une fois, je pense que l'enthousiasme est revenu mardi, mercredi. On a eu une très bonne semaine de pratique, des bons entraînements avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et ça se transforme. Julien, ça a été un bien meilleur match cette semaine que la semaine dernière? Oui, ben, tout à fait. Là, je pense que le score peut témoigner de lui-même, mais ouais, je te dirais qu'on a réussi à exécuter et à faire des bonnes choses sur les trois facettes du jeu. Puis offensivement aussi, on a réussi à faire des belles choses aujourd'hui, fait que je pense que c'est très encourageant. Moi, ce que j'ai remarqué sur les lignes de côté, c'est l'énergie que vous aviez, le minding que vous aviez. Toi, personnellement, tu avais l'air d'avoir beaucoup de plaisir aussi avec les gars. Ils reviennent d'un jeu important. C'était plaisant d'être sur le terrain aujourd'hui. Ouais, je te dirais qu'une victoire comme ça en équipe, où est-ce que tout le monde a la chance de jouer puis de faire des jeux, c'est sûr que c'est très bon pour l'esprit d'équipe et pour tout le monde qui contribue en pratique à travers depuis le début de l'année puis qui n'ont pas tous eu nécessairement la chance de contribuer sur le terrain. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui ont eu l'opportunité de jouer puis de faire des jeux puis de montrer ce qu'ils sont capables de faire aux fans aussi. Fait que de ce côté-là, c'est sûr, c'est super encourageant. Puis je veux dire, le football, c'est le fun. Il faut juste s'amuser à chaque fois puis être enthousiaste puis s'amuser en équipe. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici la fin de la saison? Il vous reste deux matchs, mais pas question de relâcher la pédale. Hein? Non, je te dis, Sherbrooke, ça va être un très gros match dimanche. Je pense qu'on le savait qu'on se devait de jouer une grosse game aujourd'hui pour revenir en force puis pour montrer à tout le monde aussi qu'on est capable de jouer au football, même si la semaine passée,
on a eu quelques difficultés. Fait que je pense qu'on a une grosse semaine qui nous attend. On garde les yeux sur la cible. Puis si on veut accomplir ce qu'on veut, ben dimanche, il va falloir le prouver qu'on est capable. Avec Yannick Morin-Plante. Yannick, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison chez le Rouge et Or avec l'attaque? Je pense qu'on a eu peut-être un départ de match un petit peu plus lent. Puis je pense que ça a juste pris une petite étincelle à un moment donné. Un exemple de Sébastien Lévesque, puis ça a juste réveillé les troupes pas mal, je pense. Puis ensuite, on est resté calme, on s'est dit qu'on allait exécuter nos jeux. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait dans la deuxième demi, puis ce qui a fait toute la différence. On s'est mis à exécuter, faire attention aux détails. Je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence en deuxième demi. Là. Est-ce que c'est moi qui rêve ou il y avait une énergie aujourd'hui que vous aviez peut-être pas au cours des derniers matchs, un plaisir à jouer au football? Non, c'est sûr que cette semaine, on travaillait fort sur l'enthousiasme, tout ça. Donc, on voulait arriver au match, puis on avait des choses à se prouver, je pense. Puis je pense que ça a fait du bien là, d'avoir un bon match, de se remettre de la défaite comme ça, puis de prendre le temps d'aller là, pour les séries qui s'en viennent bientôt. La ligne directrice, justement, pour les deux prochains matchs, les deux matchs de saison, puis les séries qui s'en viennent, ça va être quoi? Non, mais gars, ça va être encore d'exécuter, faire attention aux détails, puis d'y aller à 100%, être enthousiaste, puis travailler fort. Une semaine de pratique, quand tu arrives au match, tout est prêt, puis c'est vraiment ça la clé. Faire attention aux détails, être enthousiaste, puis ça va, les choses vont bien aller. Merci Yannick. Ça fait plaisir. Oui, c'est sûr que ça fait du bien. C'est sûr qu'offensivement, ben, finalement, depuis la game contre Sherbrooke, on a réussi à exécuter de la manière qu'on devrait le faire pendant environ 60 minutes. Vous avez laissé des points sur le terrain en première demi, vous avez des belles drives, 300 verges quand même, une demi, là, c'est du stock. Mais seulement 19 points pour récompenser ça. Oui, en effet. Donc, on parle tout le temps qu'on veut finir nos poussées offensives. Donc, à 19-9, on savait qu'on était en contrôle du match. Cependant, là, il y a eu 4 placements qu'on devrait avoir au moins 2 touchés sur ces 4 placements-là. Donc, déjà là, avec au moins 8 points de plus, ça serait pas mal plus que 19-9. Ça montrait qu'on serait plus en contrôle, mais nous, on savait là, qu'on était en contrôle de la partie. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait en deuxième demi, c'est qu'on a réussi à finir ces poussées offensives-là pour les toucher. Qu'est-ce qui fait que l'offensive a autant de confiance aujourd'hui par rapport au match précédent? C'est pas une affaire qu'on n'a pas confiance, c'est juste aujourd'hui, on a réussi à bien exécuter ce qu'on a à faire. Donc, c'est depuis le début de l'année, ce que j'explique aux joueurs, c'est une question d'exécution, c'est une question de la manière que nous, on fait les choses. Donc, peu importe un peu l'adversaire qui est là, c'est si on fait bien les choses, on est concentré à la tâche, bien, ça va donner des bons jeux. Donc, on a réussi à coller plusieurs bons jeux, un après l'autre, qui a fait en sorte qu'on a pu traverser le terrain à quelques reprises. Parce que tout de suite, la première drive, là, 93 verges, du jeu, là, ça donne le temps. Là, puis, si il y en a qui ont des doutes, bien, ça... Oui, ben c'est sûr. Mais on a eu le même style de poussée offensive contre McGill, puis ça a été un peu notre dernière poussée offensive. Donc, rapidement, faites comprendre à l'offensive, hey, oui, on en a fait une, puis on va en faire d'autres. Donc, on a eu des belles poussées le reste de la première demi. Cependant, on n'a pas fini ces drives-là. Mais en deuxième demi, les gars ont compris que, hey, oui, on est rendu proche, mais il faut travailler plus fort quand on est rendu proche, parce que défensivement, ils veulent défendre la zone début, donc ils en mettent un petit peu plus. Donc, nous aussi, il a fallu en mettre un petit peu plus pour réussir à aller scorer des points. Charles, après tu du Wildcat depuis une couple de semaines, c'était prévu, tu voulais voir ce qu'il pouvait faire? Oui, on savait là, qu'on voulait voir justement Charles, tout un compétiteur depuis son temps là, en boss, parce que on l'a tous vu aller, il était ici pour le All-Star juvénile. Donc c'était le fun pour lui, c'était le fun pour nous. Le temps qu'il est embarqué, on a réussi à scorer un toucher avec lui, donc tout un compétiteur, tout un joueur de football. Donc oui, quelque chose qu'on a pratiqué, qu'on a planifié, qu'on voulait faire. Et encore plus plaisant là, de voir qu'il a réussi à marquer un toucher à travers tout ça. Donc ça va laisser des empreintes sur le film, ça va forcer... Oui, j'imagine les autres équipes, là, ils ont accès au film, donc ils vont voir ça, ils vont devoir se préparer en conséquence. Donc ça va faire de quoi de plus là, à préparer, j'imagine, pour eux. Ça permet de l'attaque variée aujourd'hui. C'est sûr que l'adversaire est peut-être... Oui, mais c'est pas une question. C'est la même attaque. On n'a rien changé trop. Mis à part que Charles est embarqué encore ailleurs, l'attaque n'a pas changé depuis la semaine dernière. C'est juste que là, ben, les passes qui tombaient au sol, ils tombaient dans les mains des receveurs. Donc, on a l'impression que l'attaque a changé, mais tout ce que c'est on a complété nos jeux.